Bonjour à tous et bienvenue dans Le Monde au Féminin, une émission qui met en valeur les actions de ces femmes qui osent entreprendre. Une émission qui peut être d'ailleurs regardée aussi par les hommes. Nous allons parler de la mode aujourd'hui, la mode mais pas n'importe laquelle, la mode éthique, des petits pots halal pour bébés et de qualité. Il fallait y penser, mon invité l'a fait. Aller jusqu'au bout de leur projet. Il y a 3 ans, vous avez décidé de créer cette association HOP, Halte à l'obsolescence programmée. C'est à nous de changer le quotidien. C'est de ne pas avoir peur, par exemple, de l'échec. Moi, je préfère toujours regarder ce qui nous rassemble. Est-ce que le rôle de la mode, finalement, c'est pas de mettre en valeur, quelque part, la diversité et de faire prendre conscience au plus grand nombre que la diversité est aussi une richesse? J'ai tombé les barrières qui n'existent pas, en fait. Plaisir de recevoir des personnes inspirantes comme vous sur ce plateau. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. La honte, ce n'est pas de tomber. La honte, c'est de ne pas se relever.